Là, nous sommes samedi 8 février 2020. Nous sommes à Porte de Saint-Cloud. Il est un peu plus de midi et nous partons. Non. Oh, mais Porte de Maillot. Il y a des personnes à mobilité réduite. Moi, je suis d'accord. Hein. Ouais, bah ça, Macron destitution plutôt. Très bien encadré, dedans soit on est des théoristes, soit on est des vedettes, des stars, soit en fait quand les flics ils veulent me manifester, mais étant donné qu'ils n'ont pas le droit, ils en profitent. Je vous le dis, c'est ça. Est-ce que c'est tout est contrôle en France? Mais bien sûr tout est contrôle en France, avec la police. Retourne en Allemagne, le pays de tes ancêtres. C'est même pas sûr. Donne-moi un dachau. Oh là 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 là. Ah, ça y est, ça s'arrête encore. Je sais pas ce qu'il faut là, on est en train de... On est à peine parti. C'est devant que ça bloque. Hein, devant que ça bloque. Bah oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Bon, même si Linda a dit qu'il ne faut pas marcher trop vite parce qu'il y a des gens. Mais bah oui, d'accord, mais là on n'est pas. Là on marche pas vite, là, on est sur du rue plein. Qui nous protège de la police? Qui? Personne. En fin de compte, on a le droit de manifester au rythme de la police. Hein. Voilà, c'est dans la loi de manifester au rythme de la police. Est-ce que c'est ça la liberté de manifester en France? Ben, c'est devenu ça. C'est devenu avec les gaz, tout ça. Hein. Bon, voilà, on est gazé des fois. Il y en a qui n'aiment pas qu'on emploie le mot gazé parce que, bon, même par rapport à une certaine histoire, bien sûr, de la Shoah, tout ça, mais c'est des gaz. Hein. Avant, c'était aussi des gaz, c'était gazé aussi par la Première Guerre mondiale. Hein. On va pas dire qu'on est gentiment, on respire du gaz. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Donc là, nous sommes partis à peine par le boulevard Murat de la porte de Saint-Cloud. Tout Paris, toi. Ils n'ont pas le droit d'interdire tout Paris. C'est ça.
chanteur. Protège le monsieur qui est en train de retirer peut-être de l'argent. Ah oui, et c'est peut-être bien. Retirer 1 million d'euros. Samedi, donc le 8 février 2020. Nous sommes du côté de Porte de Saint-Cloud. Bon là, il protège peut-être si c'est premium automobile, Audi accueil domestique. Des voitures. On est là, on est là, on est là, on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Marcon ne veut pas, on est là, on est là, on est là. Nous sommes partis de la Porte de Saint-Cloud, dans la direction de Porte de Maillot, ensuite de Porte de Champéré, et ensuite pas très loin de là, la destination finale, c'est place du Maréchal Juin. Chose à faire que d'encadrer les manifestants, franchement. Oh,
Franprendrerie, je crois que ça suffit, oui. La 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 la. Les gilets jaunes. La 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 la. Les Nous sommes toujours sur le bord Murat. C'est là peut-être le stade de... comment dire, le stade du Parc des Princes. Arrêt de bus, de PC.
Aux manifestants, c'est le club Circus. Nous sommes le club Circus. La France est devenue le club Circus. Le bois de Boulogne est à notre gauche. Le stade Roland-Garros, pont d'Auteuil à notre gauche. À notre droite, pont Garriguiano, porte de Sèvres. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur d'être et pour un monde mieux. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Nous on est des saints. Et voilà, on est là au fond.
Samedi 8 février 2020. Voilà, nous sommes partis il y a déjà au moins presque une heure, je pense, de Porte de Saint-Cloud vers midi et quart, midi et demi. Nous dirigeons vers Porte Maillot, Porte de Champéré, pas très loin après notre décision finale, place du Maréchal-Juin. Enfin, j'irai pas, je dirais plutôt ma Macron destitution. Thank you.
Notre réalité est la même. Oh, yeah.
Macron, je dirais même destitution. Mission, destitution. Démission, il démissionnera jamais lui. C'est destitution. Ben c'est, elle était interviewée, Inda était interviewée. Donc derrière, ils ont mis la pancarte. Et puis, voilà. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça. Là, il fait signe, pour faire signe. Thank you.
Marie Dauphine en lutte. Commencez à parler.
tendu quand même, les gars. On est retendu un peu. Ça me fait ça. L'Arc de Triomphe. Si on allait à l'Arc de Triomphe un peu. Non, mais les gars, autant faire une petite toile. Venez, venez, tout ça pour les familles, les gars. Ouais, ouais, ouais. Par contre, l'Arc de Triomphe, c'est... L'Arc de Triomphe. C'est... Ça va porter son nom, je crois. C'est un Arc de Triomphe, ouais, ouais. C'est un arc de l'infamie. Faut aller porter un... On n'a plus le droit d'y aller. C'est l'arc de la Macronie. L'avenue Chandis, c'est l'avenue Chandis de la Macronie, on va dire. Hein? Allez les gens, on aura encore d'autres photos tout à l'heure à la nuit de la Pandarie. Vous avez de la chance, hein. De la chance. Non mais c'est fait exprès. Non, c'est très bien. Non mais c'est pour se foutre de la, c'est, non, c'est pour se de la gueule des policiers. Ah,
voilà l'Arc de Triomphe. Je pense qu'on est plus ou moins en guerre, mais bon, c'est la guerre interne. De s'être protégé par les propres policiers français. Oh,
complètement entouré par deux A2V. Ah, il y en a une caméra.